Hello, Bernard. Hello. Commencer avec un tout petit peu de retard cette rencontre. Je suis très heureux d'accueillir ici pour le dernier soir du Festival des Apartes, sa deuxième édition, à la Maison d'Amérique latine, que je remercie au passage de nous accueillir ce soir, deux très grands écrivains pour une rencontre totalement inédite. Aaron Appelfeld à ma gauche et Norman Manea à ma droite se sont déjà rencontrés à quelques reprises, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de parler ensemble en public, où que ce soit. Pourtant, ils auraient une façon de pu. Ils sont nés tous les deux à 4 ans d'intervalle, 1932 pour Aaron Appelfeld, 1936 pour Norman Manea, à, me disait-il un instant, 50-60 km d'écart, dans une province qui s'appelle la Bucovine, aujourd'hui partagée entre la Roumanie et l'Ukraine. Tout à l'heure, quand ils se sont salués, j'ai surpris leur conversation et je me suis demandé quelle langue ils utilisaient. Et c'était évidemment l'allemand, puisque ce qu'ils ont en commun, c'est une langue que ni l'un ni l'autre n'utilisent pour écrire leurs livres aujourd'hui, puisque Norman Manea écrit en roumain et que Aaron Appelfeld écrit en hébreu. Mais l'allemand a été, pour Aaron Appelfeld, la première langue. Pour Norman Manea, la seconde, nous disait-il, juste après, ou juste en même temps, quasiment. En tous les cas, l'allemand était la langue la plus utilisée parmi les juifs de cette région à l'époque, notamment dans les milieux cultivés. Donc une langue qu'ils continuent d'utiliser entre eux, en tous les cas, quand ils se rencontrent. On ne fera pas le débat en allemand. Ce soir, je vous rassure, j'en serais bien incapable, même si moi aussi, mais scolairement, c'était ma première langue. Donc je suis très heureux que cette rencontre ait lieu, parce que le point de départ, finalement, géographique, est très proche. Les premières années d'enfance, aussi, puisque l'un et l'autre, ils n'avaient pas tout à fait le même âge, mais l'un et l'autre ont connu le sort réservé aux juifs de cette région. Ils ont été déportés en Ukraine, tous les deux, dans des camps de concentration. Et puis après, à la sortie de la guerre, leur trajectoire diverge de façon plus nette, puisque Aaron Appelfeld va se retrouver, dès avant même la création de l'État d'Israël en Palestine, où il va passer toute sa vie être étudiant, et puis professeur, et puis évidemment écrivain, l'un des écrivains israéliens les plus reconnus, les plus importants, très très certainement. Son œuvre en France a été découverte depuis quelques années, en particulier avec la publication aux éditions de l'Olivier de nombreux titres qui ont été traduits par la personne que je n'ai pas encore présentée, qui est en train de chuchoter à l'oreille d'Aaron Appelfeld, Valérie Zenati, qui est une traductrice pour Aaron Appelfeld, parce qu'elle a traduit pour personne d'autre, à peu près, et qui est aussi une romancière, qui publie également aux éditions de l'Olivier. Donc, voilà la trajectoire d'Aaron Appelfeld. Celle de Norman Manea est différente, puisque lui restera en Roumanie au moins jusqu'en 1986, date à laquelle il décide, après des années difficiles sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure, puisque elles font l'objet de beaucoup des textes qui sont réunis dans un recueil qui paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil. Après des années difficiles, il décide de quitter la Roumanie pour rejoindre dans un premier temps Berlin, puis New York, où il vit depuis 1987, je crois, 88. Voilà. Alors, autre point commun, Aaron Appelfeld et Norman Manea, ce ne sera pas le jeu de la soirée, hein, je vous rassure, on va prendre le temps de parler des livres de l'un puis de l'autre, et puis après, faire en sorte qu'un échange se noue. Mais l'autre point commun de ces deux grands écrivains,
c'est qu'un troisième grand écrivain est un fan de leur travail, on pourrait dire. C'est Philip Roth qui considère l'œuvre d'Harold Appelfeld comme celle de Norman Mailer, comme de grandes œuvres littéraires. Je crois qu'ils entretiennent l'un et l'autre avec lui des relations amicales. Voilà, alors comme je vous le disais, on va d'abord prendre le temps de parler des livres qui paraissent, d'abord de Harold Appelfeld, on va commencer par ordre alphabétique, et puis de Norman Manéa. Ah oui, j'oubliais un point commun aussi entre Manéa et Appelfeld, c'est que tous les deux, je vous le disais, leur œuvre est très reconnue partout dans le monde entier, très largement traduite. En France, ils ont l'un et l'autre obtenu le prix Médicis étranger à quelques années d'écart. Et finalement, l'un et l'autre, leur œuvre paraît ces dernières années en France. Je le disais tout à l'heure pour Aaron Appelfeld avec ses livres à l'Olivier. Norman Manéa a d'abord été publié aux éditions Albin Michel, au début des années 90, et puis c'est désormais la collection Fiction et compagnie au Seuil qui accueille. Son travail, le retour de Hooligan, et puis ces deux livres qui paraissent là en ce moment, L'enveloppe noire et puis ce recueil auquel je faisais allusion, Les clowns, le dictateur et l'artiste. Voilà, alors on commence avec vous, Aaron Appelfeld, peut-être appuyez là. Je voulais que vous nous parliez. Avant qu'on revienne peut-être sur ces éléments biographiques que je présentais à l'instant, un peu plus tard, de ce dernier livre, « Et la fureur ne s'est pas encore tue », qui vient de paraître. Et je voulais vous demander d'abord pourquoi vous avez décidé d'inventer un personnage principal dans ce livre qui a 50 ans. Et qui regarde en arrière ces années d'enfance. Pourquoi avoir choisi cet âge-là, cet âge de milieu de vie, pour imaginer ce personnage, sachant qu'évidemment dans le livre il est question de différents moments biographiques et pas seulement de ces 50 ans. Good evening, ladies and gentlemen. You probably understand Hebrew, yes? Good. And you speak Romanian, like, yes, sounds fine. We can make a dialogue with Hebrew and Romanian. It's a pity I cannot. We are coming from the same country. Our common language, as our friend mentioned, is German, but I'm going to speak Bruno. אתה שואל על ברונו. מי הוא ברונו זה? בן החמישים שמדבר על חייו. תמיד אנחנו מדברים על החיים שלנו. ותמיד אנחנו, כשאנחנו מדברים על החיים שלנו, אנחנו מדברים על הילדות שלנו. הילדות היא הבסיס של החיים שלנו. בילדות הם ההורים והסבים והדודים ובני הדודים. זה מה שמקיף אותנו. ואת זה אנחנו קצת מבינים. ועל זה אנחנו רוצים לספר, ועל זה שיעור א'. C'était un premier tour. Harold, c'est très bon professeur. Merci beaucoup, Harold. On va quand même passer en français parce que je ne crois pas qu'on soit capable de poursuivre Norman Manéa et moi en écoute. Norman Manéa, deux livres de vous paraissent simultanément, à la fois un roman, L'enveloppe noire, et puis un recueil de textes qui crée Les clowns, le dictateur et l'artiste. Ces deux livres sont d'une certaine façon liés, puisque dans le recueil,
un texte explicite, au fond, ce qui s'est passé quand l'enveloppe noire a paru, la difficulté à avoir ce texte publié. J'aimerais qu'on parte de là, parce qu'au fond, c'est peut-être le plus simple, pour que vous nous expliquiez ce qu'est ce roman, dans quelles conditions vous l'avez écrit, dans quelles conditions vous avez dû le publier. Toutes choses que vous pouvez vous rappeler dans ce recueil. Je vous rappelle que ce recueil est composé de textes que vous avez écrits une fois la Roumanie quittée, au début des années 90, et avec une liberté d'expression plus grande qui vous permettait de revenir sur les conditions dans lesquelles vous aviez dû travailler pendant longtemps pour notamment écrire un roman comme L'Enveloppe. Il fallait d'abord que peut-être que j'aurais aussi besoin d'une traductrice assez charmante pour traduire mon français qui est faible et improvisé dans votre réelle langue. J'espère que vous serez tolérant et que nous pouvons comprendre. Dans ces langues étrangères, pour moi, c'est difficile d'expliquer la vraie vie intérieure d'un roman et même la situation d'un pays pendant une dictature burlesque et byzantine qui était vraiment plus compliqué qu'un roman, que le plus moderne et moderniste de romans. Pour résumer un peu le roman, j'ai essayé de décrire dans ce livre une situation totalement fermée dans elle-même, et c'est peut-être pas par hasard que ce qu'a dit ici mon ami et mon confrère Aharon sur les infirmes. On peut s'appliquer à cette réalité. C'était une société handicapée, et comme je dis, il y a même dans ces romans une association des sous-domètres qui représente en fait, je crois, la réalité quotidienne du pays. L'État était le propriétaire de tous, même de nous. C'était difficile de s'exprimer, mais c'était difficile aussi de retenir non seulement une indépendance de comportement, mais aussi une indépendance de pensée. L'héros de ce roman est-il aussi un personnage burlesque? Il était un professeur de langue russe dans le lycée. Après ça, il a devenu une sorte de réceptionniste à un hôtel. Il était soupçonné d'être homosexuel. Et il commence à chercher de clarifier la drame de son père, 40 années en avant. Son père était tué, ou peut-être il s'est suicidé, dans le temps du fascisme roumain. C'est pas clair exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que nous savons est qu'il il a reçu une lettre.
ça que je nous donne vraiment l'enveloppe noire. Une lettre, une sorte de menace. Death-tête, comme on dit, death-tête. Il était menacé dans cette lettre. Et c'est monsieur, c'est héros du roman, dans cette entreprise, dans cette aventure. Il découvre graduellement qu'il est même, 40 années après, presque dans la même situation. L'atmosphère est mystérieuse et noire. Autour de lui sont beaucoup d'énigmes dangereuses. Et c'est aussi, je crois qu'ils ne sont pas... plusieurs livres qui ont essayé de faire la connexion entre les nazis et le communisme. Les différences étaient réelles entre ces deux idéologies, d'abord, bien sûr. Mais le moyen et le résultat final étaient tête et poche, très similaires. Il peut le dire malheureusement. Bruno, comme j'ai compris, était un communiste et il essayait de rester un communiste. Je peux le dire à Bruno, si ça c'est possible, que c'était plus facile de rester un communiste en dehors du pays communiste que dans la réalité quotidienne du communisme. L'utopie a devenu dans ces conditions un prétexte pour la terreur. Et tous les slogans révolutionnaires que c'était pour nous tous, il faut que je dise, j'étais aussi un communiste, mais j'avais 12 ans seulement. Alors j'aimais les faibles, j'aimais les rêves, j'aimais aussi l'utopie heureuse, mais la réalité quotidienne a devenu très rapidement cauchemaresque et aussi carnavalesque. Dans ces essais, ces situations sont expliquées d'une manière plus claire et plus analytique. Dans un roman, il faut créer ce monde. Et ce monde était confus, compliqué, contorsionné. Et c'est une autre manière de dire la même chose. Alors justement, est-ce que, d'une certaine façon, le roman est un genre mieux adapté pour faire cette chose risquée dont vous parliez tout à l'heure, qui est d'essayer de comparer ces deux totalitarismes? Est-ce qu'au fond, il vaut mieux le faire par le détour de la fiction que le faire... dans un essai? C'était difficile de le faire. C'était très difficile de publier ce livre. Et c'était pour moi une sorte de cauchemar. Et après ça, j'ai quitté la magie. C'est facile de dire maintenant que j'ai quitté l'Allemagne. Ce n'était pas possible de quitter l'Allemagne. Mais à ce moment-là, parce que nous parlons aussi inévitablement des Juifs, pour les Juifs, c'était plus facile. Je pouvais immigrer à Israël, je n'y voulais pas, je n'avais le courage de le faire. Et
mais les autorités communistes étaient très contentes de me voir à ce moment-là en dehors du pays. Peut-être que c'est intéressant aussi de dire quelque chose plus statistique sur la réalité de la Roumanie après la guerre et dans les 40 années de la dictature communiste. Parce que vous avez parlé déjà sur une sorte de étroitement entre l'idéal moral aussi de la Bible et avec l'idéal moral d'une société égalitaire avec tous ces grands mots de la Révolution française. Et beaucoup de Juifs, après la guerre, ont devenu communistes. Et ils ont souffert de cette réalité hypocrite, de misère, avec tous les autres. Mais ils ont souffert en plus par la condition des Juifs. Après la chute, après 1989, le débat en Roumanie était fortifié par une sorte de nationalisme très vivace. Et on dit, bien sûr, que les Juifs ont apporté le communisme. Mais en 1945, le Parti communiste lui-même avait 1 000 membres. C'était un parti très petit et négligeable. La population juive du pays était à ce moment-là, après l'Holocauste, 400 000 de citoyens. Même si ces 1 000 de communistes étaient tous juifs, et ce n'était pas la réalité, ils ne sont pas ceux qui ont apporté le communisme, mais l'armée rouge. En 1989, le nombre de membres du Parti communiste en Roumanie était presque 4 millions. La population juive était à ce moment-là moins que 10 000. C'est quelque chose de statistique, mais c'est peut-être intéressant. Je ne voulais vraiment toucher à ces problèmes juifs, mais pour comprendre aussi une situation plus spécifique du pays, que je considère qu'exprime aussi la situation générale de Roumanie, pas seulement des juifs. Alors, c'était comme j'espère que vous comprenez. C'était un univers fermé. La censure était partout. Ce n'était pas possible, par exemple, de publier dans un journal un annoncement de noces ou un annoncement funèbre, rien sans la censure. Ça, c'était la situation générale. Comme je dis, l'État était le propriétaire de tous, la salle de cinéma, le swimming pool, le kindergarten, tous. Comment on peut se débrouiller dans ces situations? Peut-être avec l'intériorité, si on peut garder et protéger
l'intériorité. Et la littérature, qui était très codifiée dans ces périodes, je crois, avait probablement ce rôle d'aider un peu, de fortifier l'intériorité du peuple, l'âme, la manière de penser, une sorte de petite indépendance. Dans quelques jours, à l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, vous avez quitté la Roumanie 3 ans avant ces événements. Vu la situation que vous décrivez au moment où vous quittez ce pays, j'imagine que vous n'aviez 3 ans avant aucune espèce d'idée que les choses pourraient se passer de la sorte dans ce délai. Ah, absolument. Pas du tout. Pas du tout. La seule espoir dans ces moments-là, c'était un espoir, une confiance en biologie, alors que le dictateur enfin va mourir. Mais ce n'était pas aucun autre espoir, et je suis sûr que vous le savez, toutes les études faites en Occident, et spécialement aux États-Unis, de ces spécialistes soviétologues, n'en comprenaient rien. N'en pas comprenaient vraiment la réalité. Notre vie, c'est grande chose. Ok, les spécialistes soviétologues, on le sait, aux États-Unis, en France, on en a quelques-uns aussi. Et on aurait pu se dire justement que ceux qui, comme vous, étaient dans cet univers, dans cette micro-indépendance, cette république des lettres roumaines, chargée de préserver cette intériorité dont vous parliez, avec ces codes, peut-être qu'au fil du temps, vous auriez été à même de percevoir des signes que les choses changeaient. Non, je ne crois pas. Nous sentons que le système est vraiment très dégénéré et presque putride, si on peut dire comme ça, mais qu'il peut survivre avec l'hypocrisie et la terreur jusqu'à la fin, et la fin n'était pas à l'horizon. Une dernière question dans la manière avant qu'on ouvre le dialogue entre vous. À propos, vous avez parlé tout à l'heure de burlesque, et dans ce titre de recueil d'articles, enfin ce titre c'est les clowns. Les clowns désignent à la fois le dictateur et l'artiste. Ouais. Pourquoi cette dimension comique pour parler de ces choses si graves? Je crois que c'est pas seulement comique, c'est, je crois, tragicomique. C'est une situation extrême. Mais je vis dans ces deux personnages, le dictateur qui personnifie le mal et l'artiste qui est habituellement il est marginal et une sorte d'outsider et sans une grande utilité dans la société. Je vis ces confrontations entre les deux comme une expression d'une situation d'une situation grotesque qui n'était pas seulement dans l'histoire du cirque, mais qui était et qui s'est continué dans l'histoire elle-même. Alors j'ai projeté ces deux personnages, enfin c'est de Fellini, que j'ai beaucoup admiré, sur notre société, disons socialiste, c'était une combinaison très originale
entre nazisme et communisme. Je la vis partout dans notre univers là-bas. La dictature a accordé l'artiste, aux artistes privilège et puni exagéré. Nous voulons y acheter, et si ça ne marchait pas, alors il était toujours puni. Alors l'artiste était dans une situation presque impossible, d'un choix authentique et honnête. Et par ça, la littérature, je crois que la bonne littérature qui existait dans cette période est assez modifiée. Parce que c'était la croyance et c'est une communication codifiée entre le lecteur et l'auteur. Mais entre ces deux, était aussi une censure. La censure. Et la censure est devenue, dans les dernières décennies de Ceausescu, très intelligent, très vigilant. Ils ont recruté les meilleurs étudiants de l'université. Ils ont accordé, bien sûr, de privilèges spéciaux. Et beaucoup de yeux ont accepté. Alors, entre l'auteur et le lecteur, c'était une autre force qui n'était pas encore, qui n'était pas plus assez stupide comme dans les premières 10 années de communisme en Roumanie. Ils ont été intelligents, ils ont été hypocrites, pervers. Et ce n'était pas assez facile de le faire. Mais pour revenir à votre question, cette image d'un cirque sanglant et d'une réalité noire et criminelle, je voulais voir aussi comme une tragicomédie. Je suis convaincu que de dire seulement que c'était une tragédie, ce n'était pas suffisant, parce que c'était une manière d'accorder au pouvoir une importance exagérée. Alors, il faut les diminuer un peu. Il faut la porter dans une scène tragicomique et de voir aussi, pas seulement le vertige, la crime, mais la face sardonique, grotesque et avec une sorte d'humour noir de cette réalité. Merci, Mme Emmanuel. Je me retourne vers vous avant d'un peu près. Pour vous demander au fond, puisque vous commencez en faisant le parallèle de vos trajectoires qui partent du même endroit de la Roumanie, la Bucovine, qui diverge assez vite à la sortie de la guerre, puisque vous vous installez en Palestine, en Israël. Si on voit à quel point ce qui s'est passé en Roumanie par la suite a été important pour Norman Manet, évidemment, pour son œuvre. Comment il vient, avec ce roman, essayer de relier ces deux périodes. Ma question est très simple, c'est pourquoi vous avez fait le choix, dans la plupart de vos livres, de vous concentrer sur la Seconde Guerre mondiale et ce qui l'a précédé, principalement ces périodes, et au fond, assez peu abordé une autre période historique intéressante également, qui était celle dont vous étiez le contemporain en Israël. Ani rציתי להיות רומן ולא
historiens de leurs journalistes. Veille ottoman, ma chemin, la légende et le hayadouchi. Vayadouchi li haïta, amichala. Et je pars à amichama, mechloshi beteisha, nuitibetche. זאת הילדות שלי שהסתיימה, הייתי בן 45, הייתי בן כמעט בן 13. זאת הילדות שלי. אי אפשר לתאר ילדות, אי אפשר לראות אומן רציני, עוסק רק ב, נאמר, בפוליטיקה, בסוציולוגיה, ודאי שזה חלק מהחיים, צריכים להתחשב בהם. אבל אני עסקתי בעיקר בילדות שלי. בילדות שלי הייתה מלחמה. Je voulais être un artiste, pas un historien ou un journaliste. Être un artiste signifie retourner à son enfance, et mon enfance s'est déroulée pendant la guerre. J'avais 7 ans quand la guerre a commencé, j'en avais quasiment 13 quand elle s'est achevée, et je ne peux pas considérer une autre période comme étant la période importante. On ne peut pas considérer un artiste comme un artiste sérieux si sa préoccupation principale c'est la politique ou la sociologie. Bien sûr, ce sont des aspects importants de nos vies, mais ce qui reste central, c'est l'enfance, et mon enfance s'est déroulée pendant la guerre. Et à l'Ubakia, le Palestine d'Israël, en 1946, c'est une erreur révolutionnaire. Et il y a un certain événement juif chadash. גבוה, חזק, בלונדיני ומיניים כחולות. אני לא הרגשתי שאני רוצה להשתנות. אני רציתי רק להיות אני אני. אני רציתי להיות כמו ההורים שלי, שהיו יהודים מהמעמד הבינוני. הסבים שלי, שהיו יהודים שומרי מסורת. הדודים שלי שהיו קומוניסטים, בעיקר דמיוניים, לא הרגשתי שאני רוצה לשנות את הזהות שלי. אני רציתי להיות יהודי. והמילה יהודי בשנות ה-40, בשנות ה-50, לא הייתה מילה רצויה. אמרו ישראל, והכוונה הייתה למחוק את היהודיות ובמקומה להעמיד ישראליות. זה נראה לי גרוטסק, חסר אמת אמיתי. ולא קיבלתי את זה. אני חושב שלהיות יהודי זה דרגה הרבה יותר גבוהה מאשר להיות ישראל. Je suis arrivée en Israël, en Palestine, en 1946. C'était un pays révolutionnaire à l'époque, un pays qui voulait construire, créer un nouveau juif, un homme grand, blond, aux yeux bleus. Moi, je n'avais pas le sentiment de vouloir changer. Je voulais être moi, je voulais être vraiment moi. Je voulais ressembler à mes parents, assimilés. Je voulais ressembler à mes grands-parents, qui étaient des gens pieux. Je voulais ressembler à mes oncles, qui étaient quasiment tous communistes. Je ne voulais pas changer d'identité. Je voulais être juif. Juif, c'était un mot qu'on n'aimait pas beaucoup entendre en Israël dans ces années-là. On lui préférait le mot israélien.
Il y avait l'intention d'effacer tous les aspects juifs de l'identité israélienne. Personnellement, je trouvais ça grotesque, presque hypocrite. Je ne l'ai pas accepté et je pense qu'être juif est un degré plus élevé qu'être israélien. Non, mais on réagit. Bon, je réagis à ce que je vais bien me dire. Qu'est-ce que représentait Israël pour vous, mais plus largement ces juifs roumains? Donc vous rappeliez qu'au début, à la sortie de la guerre, ils étaient 400 000, si j'ai une bonne mémoire, et 10 000 au moment de la chute de la régime de Ceausescu. Oui. D'abord, il faut que je dise que je suis tout à fait d'accord avec Aharon. Sans art, la littérature n'existe pas. Pour moi, être juif dans ces situations, si c'est possible de prendre une définition de Talmud, du Talmud, était de rejeter les idoles. La définition dans le Talmud, que j'aime beaucoup, la définition par le Talmud, je ne connais pas assez bien le Talmud, mais m'ont demandé beaucoup de fois qu'est-ce que c'est un juif. Et bien sûr, ils ont beaucoup de définitions. Si tu as né d'un mère juif, si tu étais circoncis et tout ça. Pour moi, c'était ces définitions que m'a vraiment impressionné. Et je la prends comme ma conviction. Alors, de rejeter les idoles dans ces pays d'une dictature assez cruelle et compliquée, c'était aussi de rejeter l'art officiel, le rôle qui, comme j'ai dit, le pouvoir essayer de acheter l'artiste et de le manipuler, de rejeter l'art officiel, de rejeter tous ces slogans humanistes, mais vite, de content. Et c'était de lutter, de préserver une sorte d'intégrité morale et spirituelle et artistique aussi. En ce qui concerne Israël, la situation dans les pays de l'Est avec l'Israël était aussi, bien sûr, très compliqué. Parce qu'en 1948, quand l'État a été créé, c'était un immense enthousiasme. C'était de récupérer le pays araïque et la langue araïque aussi. Et et l'Union soviétique, comme vous savez probablement, a reconnu parmi les premières l'État d'Israël. C'était une manipulation politique parce que c'était contre l'Angleterre. Alors ils en avaient besoin d'un Israël manipulable. Ça n'a pas marché. Et la propagande officielle a devenu très hostile à Israël. Beaucoup de sionistes ont été arrêtés, ont été en prison. Beaucoup de procès ont été inventés pour les condamner. Comme j'ai dit, à 12 ans, j'étais un communiste féroce. Mais je n'étais pas assez coupable, je crois. À 16, j'étais vraiment libéré de cet homme. Et j'ai
pour être très honnête, j'ai essayé pas par pas de revenir dans ma communauté juive parce que c'était une sorte d'isolation là-bas. Mais c'était presque impossible de rester là-bas et de rester vraiment un juif. J'avais ces discussions avec beaucoup de gens de la communauté juive qui ont pris un rôle très ambigu dans ces périodes. Mais il faut que je me demande, est-ce que je voulais être juif? Je ne sais pas. Je voulais être moi-même et je n'ai pas compris exactement ce que ça veut dire, d'être moi-même. Alors, j'ai trouvé, après mon divorce avec la grande idéologie humanitaire du communisme, je croyais que j'ai trouvé quelque chose qui m'exprime beaucoup. Et ça, c'était la littérature. Pour moi, c'était un enclave, une sorte de refuge, une sorte de dernier moyen de préserver ma identité et de serai capable de m'exprimer même dans un langage codifié, mais dans une sorte de jeu avec la réalité, les métaphores, le sens du mot. Israël a resté, même dans ces conditions, une réalité qui nous a intéressé beaucoup. Et la guerre des six jours était une sorte de moment spécial dans ces réalités. Maintenant, la réalité était, je crois, victorieuse. Parce que vous avez dit que maintenant, je dis aussi, ils ont en Roumanie moins que 10 000 de Juifs. La réalité a parlé. Ça, c'était la vérité. Les gens, même qui ont voulu rester en Roumanie, qui ont voulu contribuer à la culture et sur le progrès de Roumanie, on était graduellement forcés de partir. Mais ce n'était pas vraiment seulement en réalité juive. Si ces possibilités ont été données pour les Roumains, tous les Roumains ont devenu juifs pour aller en Israël, aux États-Unis, en France, en Australie, partout. Alors, ces petits avantages, un sort d'avantage cruel de partir a devenu aussi un motif d'envie. Regarde à les Juifs. Toujours ils se débrouillent. Alors, j'ai resté là-bas avec mes livres et mes amis. Et j'ai essayé presque à la fin, parce que j'ai parti trop tard, très tard, de faire ce que j'aime et de faire ce que je peux. Je crois que mes livres que j'ai publiés là-bas dans ces conditions difficiles n'ont aucun mot ou aucune proposition qui a servi vraiment le système. Alors, je suis conscient de mes imperfections, mais j'ai essayé le meilleur et j'espère que j'ai réalisé une petite part de ça. Alors, Aaron Appelfeld, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça devait être d'écrire des livres dans ces conditions que vient de décrire Norman Manéa, à savoir en veillant à faire en sorte qu'aucune
qu'une phrase, qu'un mot puisse servir le système. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez, très jeune, une envie d'être artiste, écrivain. Sans doute cette envie aurait été présente si vous étiez trouvé dans des conditions de ce type. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, en fiction, imaginer ? Ni lo so fare experimentale. A me coltef alla mission noce. Amici, ni lo fando alla zio e diciamo mai che se chiama o e diciamo mai che se chiama. Dove so fare lo erro di ktof alla razza. אבל בעניין היהודי, אני בא מרקע יהודי מתבולל, ההורים ראו את עצמם בפה. מה שאירע ליהודים באירופה במלחמת העולם השנייה, אני לא צריך לספר כאן. נכון הוא שכל אומן נתקל באיזה חומה בשלב מסוים של חייו. גם לי היו קצת חומות. אבל לי היה מזל. השפה העברית ומאוחר יותר שפת יידיש הפכו למיתו של דבר המולדת האמיתית שלי. שתי השפות הללו חיברו אותי לא רק אל עצמי ולא רק אל הוריי ולסבים, אלא אל תוך המיתולוגיה היהודית. השפה העברית פתחה לפניי את כל הספרים היהודיים מאז התנ"ך, דרך המשנה, הגמרא והמדרשים, ספרי הפילוסופיה והמיסטיקה, כך שעולמי היהודי להתרחב לא במובן הלאומי דתי צר. המחשבה היהודית מאז ימי התנ"ך הייתה מחשבה אוניברסלית. לאומיות צרה נחשבה לדבר בלתי מתקבל. לאומיות צרה נחשבה לאלימות. כך ששתי השפות, יותר מאשר דברים אחרים, אפשרו לי להרחיב את האני שלי ולחדור אל המיתולוגיה היהודית עם כל המשתמע לה. Je ne suis pas un écrivain expérimental. J'écris uniquement sur mes propres expériences, sur ma vie. Je ne peux pas m'imaginer ailleurs, je ne peux pas me déplacer jusque-là. Comme je l'ai dit, un écrivain doit écrire sur lui finalement. Alors, en ce qui concerne ce style, la question de l'identité juive qui revenait dans ce que disait Norman Manéa, je voudrais raconter deux ou trois choses sur moi. Je viens d'une famille de juifs assimilés. Mes parents se considéraient avant tout comme européens.
ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé ensuite durant la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas besoin de vous le raconter. Mais moi, j'ai eu de la chance. Parce que, bien sûr, tout comme tout écrivain, je me suis heurtée à un moment donné à des murs. Mais la chance que j'ai eue, c'est de trouver l'hébreu et plus tard le yiddish, qui sont devenus, à L2, ma vraie patrie. Ces deux langues m'ont rapprochée non seulement de moi-même, de mes parents, de mes grands-parents, mais aussi de toute la mythologie juive. Elles ont ouvert devant moi le monde infini des livres juifs, de la Bible, de la Mishnah, du Talmud, les livres de philosophie, les livres mystiques. Et c'est ainsi que mon monde intérieur juif s'est élargi. Élargi, pas dans le sens d'une affirmation religieuse étroite, ou nationale étroite, nationaliste même. La pensée juive, depuis la Bible, est une pensée universelle. Et le nationalisme étroit ou aveugle est considéré comme quelque chose dont il faut s'éloigner. C'est de l'idolâtrie. Donc, pour moi, ces deux langues ont été la clé qui m'a permis de revenir à cette mythologie originelle. Dans ma manière, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je vais seulement dire quelques mots sur la valeur esthétique dans les conditions que j'ai essayé de décrire. La valeur esthétique a devenu rapidement aussi subversive. Et alors nous avons appelé ça esthética. Pas esthética, mais esthética. Alors, l'éthique de l'Est. De préserver votre intériorité aussi esthétique, votre originalité. Les critères esthétiques dans votre œuvre. Mais c'est intéressant et c'est un peu comique quand tout s'est passé là-bas, la manière que le système a manipulé même ça. Mon premier récit était une sorte de récit érotique, où j'ai essayé de rétablir une langue plus normale, éloignée de la langue de bois qui était partout. Et ce récit a été attaqué immédiatement comme décadent, cosmopolite, avec aucune relation avec la réalité de chaque jour. Ça, c'était en 80. Je crois, non, ça c'était dans les années 60. 69. 60, oui, 69, 68. Quand j'ai publié ces romans, l'enveloppe noire, c'était déjà 86, et le parti nous a demandé d'être plus esthétiques. Alors, de ne pas être intéressé assez de la brutalité de la réalité quotidienne avec tous ses malheurs. Pourquoi vous n'avez pas écrit sur la nature, sur l'amour, sur toutes ces choses merveilleuses? À ce moment-là, j'ai écrit ces romans qui étaient assez noirs et assez violents. Alors, même l'esthétique dans ces sociétés n'était pas seulement l'esthétique normale. C'était un effort de préserver, comme j'ai dit, l'intégrité dans des conditions hostiles, mais aussi très pervers. Je vais profiter du fait, puisque c'était le sujet que je voulais aborder juste après, que Aaron Appelfeld ait parlé de son rapport à la langue hébreu, pour vous poser la question aussi, Norman Anea, est-ce que
cela n'aurait pas été une solution envisageable, plutôt que de coder la langue roumaine, de passer dans une autre langue, et je pense en particulier à l'allemand, dont nous parlions tout à l'heure, que vous avez appris très tôt, qui était au moins aussi familier, même plus familier que les lettres libres en normal manière. Est-ce que vous avez un moment songé à cette possibilité? Il faut le dire catégoriquement, pas du tout. Je regrette ça, peut-être. Mais la langue roumaine a resté ma patrie. Et j'habite là-bas, même si j'habite à New York. J'écris mes livres de fiction en roumain. C'était for better or for worse, comme l'Américain dit, mon destin. Et j'ai essayé de faire le meilleur dans ces conditions spécifiques. Peut-être que je pouvais avoir une autre option. À un moment-là, j'étais enamoré de la langue roumaine. Je restais comme ça. Bien, merci. Le temps passe vite. Peut-être qu'on peut juste prendre, puisse poser trois questions. Il est 21h. Je ne sais pas s'il y a des questions, l'un ou l'autre pour les deux. Mais je vais le faire pour vous, alors je vais remercier très très chaleureusement Aaron Appelfeld et Norman Manéat d'avoir été là ce soir, d'avoir discuté pour la première fois, donc en public en tout cas, parce que c'était déjà croisé. Et remercier aussi François Vitrani, la maison de la Catine, d'avoir accueilli Mediapart pour cette deuxième édition du festival qui se termine ce soir. Et juste vous signaler aussi que les livres des deux auteurs sont disponibles juste dans la petite pièce avant cette salle et que je crois qu'ils pourront éventuellement vous les signer.